Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, une leçon de prononciation et de phonétique. Nous allons voir comment prononcer E, X en français. Alors, la première prononciation, pardon, de E, X est ex, ex, avec un E ouvert, E, E. Le K, K et le S. Ex, ex. Par exemple, quand vous l'utilisez pour exprimer qu'une relation est finie. Paul est mon ex-mari. Sophie est mon ex-femme. Mais également quand il va terminer le mot. Par exemple, un solex, le latex, un vortex. On va également le prononcer de cette manière quand il est suivi par une consonne et une voyelle. Par exemple, dans les mots expatriation, expulsé, excentrique. Mais encore dans les mots texte ou contexte. Attention, quand E, X est uniquement suivi par une voyelle, la prononciation change. Dans ce cas, nous allons le prononcer ex, avec le E normal, le G de G et le son Z, eggs, eggs. Par exemple, dans le mot exercice ou dans le mot exiger ou encore dans le mot exigence. Donc, vous voyez, il y a différentes manières de le prononcer. La première, ex, ex, avec e, k, s. La deuxième, ex, ex avec E, G, Z. Alors, maintenant, pour pratiquer, vous avez un exercice dans la description de cette vidéo. Faites-le et on corrige vos réponses. À demain!